Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Roy, bonsoir Ryu, bonsoir Joseph, bonsoir Aki, bonsoir Lou. Lou, tu arrêtes avec le retard. Est-ce que une fois tu peux venir et juste dire bonsoir Mali Doudou, comment vas-tu Mali Doudou? J'espère que tu as passé une bonne journée Mali Doudou. Non mais la critique dès le début du stream. La critique dès le début du stream, Lou. Et coucou Astrané à Toad, bienvenue, merci pour le follow. Coucou Calista, coucou Chita. J'espère que vous allez bien. Bon bah comme vous le savez, moi c'était pas trop la forme là, semaine dernière. J'ai eu une crise vers 21h, c'était juste pas possible. Ça s'est calmé un petit peu après. Ça va mieux aujourd'hui. Je croise les doigts et je touche du bois. Mais dans tous les cas, je vais chez le médecin demain, donc on verra bien. Bah oui, FF est cassé. Bah oui, mais il y a d'autres jeux, Calista. Va dessiner. Va faire du dessin, Calista. Va dessiner le capybara de FF14. Ou va dessiner l'écureuil de FF14. Complètement HS, première journée de boulot, j'ai jamais autant fait de pas sur une journée. Ah là là, premier jour de la semaine, épuisé. Bonsoir Maïdoudou, comment vas-tu Maïdoudou? J'espère que tu as passé une bonne journée Maïdoudou. Oui, merci Lou et toi, j'espère que tu as passé aussi un bon début de semaine. Mais tu live donc maintenant ça va mieux. Tu veux rire? Non, je veux pas rire, je propose des alternatives. Je suis partie en roue libre quand vous êtes partie, Yushi et toi. Attendez, comment ça? J'ai pas compris. Non, merci. C'est gentil, mais non, merci. Non. Mais oui, je stream aujourd'hui. Ça a été vraiment. J'ai pas eu trop de soucis. J'ai encore un petit peu mal, mais vraiment un tout petit peu. Donc je sais pas si c'est les restes ou quoi. Ah oui, c'est vrai. Oui, tu parles de la Japan Expo, mais non, mais moi c'est loin dans ma tête déjà, tu vois. Oui, je vais bien, mais j'ai tellement chaud, sa maman, la gentille maman. Oui. Eh bien, hydrate-toi, Lou. Si tu as un petit éventail, tu peux t'en servir pour te faire un petit peu d'air. Ça peut faire du bien. Sinon, ce que tu peux faire aussi, c'est tremper tes pieds dans de l'eau froide. Tu prends une petite bassine, tu mets de l'eau froide dedans. Et tu trempes tes pieds dedans, ça fait du bien un petit peu. Voilà. Sinon, si vraiment t'as très très chaud, tu peux aussi prendre une petite serviette, tu la trempes dans de l'eau froide, tu les sors bien pour pas que ça dégouline, et tu la mets autour du cou, voire sur ta tête. Ça peut aussi aider un petit peu, voilà. Du coup, je l'ai commandé. Ah, let's go. Mais je crois que je suis passée aussi à côté du stand XPen. Mais moi, j'ai mon iPad, donc ça m'intéresse pas, quoi. Ah! Ah! Coucou Crazy, coucou Lonely, bienvenue à vous deux, merci pour le double raid, comme à chaque fois, merci beaucoup. Oui, FF est cassé, c'est pour ça. F14 est cassé. Bon, j'espère que vous avez quand même pu profiter un petit peu, j'espère que votre stream s'est bien passé. Bonsoir, Rikozu. Je vais y arriver. Rikozu. Moi ça va, j'ai pas stream depuis 2 jours parce que voilà, du coup je suis un petit peu deg, mais bon, j'étais pas bien, donc voilà. Mais j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud, que vous vous hydratez bien, que vous avez passé un bon moment. Moi je vais papillonner sur Zelda encore, sans Zelda, comme dans le titre quoi. Coucou Aksu! Coucou Asbeber! Oh merci Lonely pour le sub! Je crois que les alertes elles sont encore cassées. Ça m'énerve ça aussi là. Pourquoi les alertes elles sont cassées? Est-ce que. Attendez, c'est peut-être Stream Elements qui est cassé. Peut-être que c'est Stream Elements qui est cassé. Je vais check. Laissez-moi 2 petites secondes. La balade de Link se passe bien. Bah écoute, en vrai j'ai pas mal avancé la dernière fois. J'ai pas mal avancé, mais j'essaye d'éviter la fin du jeu. Quand même. Alors, est-ce que c'est ça peut-être le problème?
que je ne sais plus si mes alertes elles sont sur Streamlabs ou pas. Alors, c'est étrange. Merci en tout cas. On a pu jouer un peu, mais on n'a pas beaucoup avancé pour autant. Le plus important, c'est que vous vous amusez. 30 degrés dans le bureau, on apprécie. Tu m'étonnes. Attends, moi j'ai mon petit ventilateur cinnamon roll, la chaleur ne m'atteint plus. C'est faux. Oui, non, mais c'est ça, mais c'est plus important, avancer à votre rythme, exactement. Eh ben oui, bah ça n'apparaît pas, du coup je ne sais pas pourquoi les alertes sont cassées. Et je ne sais pas comment les réactiver. Oh, c'est... Il y a tout qui est cassé en fait aujourd'hui, c'est ça? Attendez, je vais vous... Attendez, je vais vous dire un truc. Alors, pour ceux qui ne le savent pas... Attendez, je mets mon ventilateur parce que voilà. Mon petit ventilateur de bureau. C'est ça. Non mais tout est cassé. Sur Stream Elements, donc pour ceux qui ne connaissent pas Stream Elements, c'est une plateforme qui permet en fait de faire des overlays, de faire du chatbot, tout ça, tout ça. Et il y a aussi un onglet qui s'appelle Sponsorships. Je vous lis les sponsorisations disponibles. Hein. Vous allez voir, c'est tellement original, c'est incroyable. Tu sais. Ce qu'il y a de mieux que de regarder Mali en live, faire chier Mali en live et jouer en même temps. Bah super, hein. Génial, hein. Je sais plus utiliser mon sage. Ok, si tu veux, je te ferai un petit cours, mais il faut que je puisse avoir mon sage sous les mains, sinon je saurais pas. Moi, je retiens pas mes sorts, moi. Ah oui, c'est vrai, bah oui, bon appétit. Pas de soucis, merci beaucoup pour les raids. Mangez bien. N'oubliez pas de vous hydrater. Après, on m'a dit qu'il fallait pas trop boire pendant le repas. Il fallait boire avant et après, mais pas trop pendant. Voilà. Mais sinon, voilà. Bon appétit! Et du coup, les sponsorships disponibles sur Stream Elements, je vous les citer. Alors, commençons d'abord par très original. HelloFresh. HelloFresh, voilà. Nous avons aussi Call of Dragons. Avec mon accent cassé. De française. Nous avons Warpath avec des tanks. Nous avons le fameux, l'unique, le super connu Red Shadow Legend, évidemment. Marvel Strike Force, Rise of Kingdoms, Puzzle and Survival, Ant Legend Force Swarm. Voilà. Voilà les sponsors Stream Elements. Il n'y a rien qui m'intéresse. Zéro. Zéro intérêt, rien du tout. Genre, en fait, les seules sponsorisations que je pourrais éventuellement faire quand il y en a, c'est les sponsorisations Honkai Star Rail ou Wuthering Wave. Le problème, c'est que quasiment à chaque fois, c'est des sponsorisations où il faut que les gens ils téléchargent le jeu sur leur téléphone, sinon ça fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il y a, Roy? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que j'ai écorché l'anglais? De rien. De rien. Ne me remercie pas, voyons. Oui, bon appétit. Merci pour le lurk. Merci beaucoup. Mais voilà les sponsorisations. Accent, fais un effort. Non, je n'ai pas envie. J'ai la flemme. Tu connais la flemme? C'est une maladie contagieuse, héréditaire, tout ce que tu veux. Ça s'appelle la flemmangite aiguë. Voilà. C'est tout. Mais ouais, du coup, j'aimerais bien en vrai une fois tester une sponsorisation. Mais bon, je suis une petite streameuse, donc je sais pas ce que ça pourrait valoir. Mais je ferai pas du Raid Shadow Legends, ça c'est mort. Non merci. En fait, j'ai juste pas envie de faire des jeux qui m'intéressent pas. Du coup, parce que voilà. Peut-être s'il y a du Star Rail et du Wuthering Wave à un moment donné et que c'est pas que sur téléphone, peut-être que je ferai un truc. Voilà. Ces jeunes de nos jours, ils ont toujours la flemme, c'est un truc de fou. Dit-elle qu'elle a la flemme de lire, hein? Hein? C'est l'hôpital qui se fout de la charité un petit peu, hein? J'ai battu la flemme à plusieurs reprises, donc pas une excuse. Eh, gnou, 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 gnou. Bon, sinon, je peux dire que j'ai la flemme de stream, et je stream pas aussi. Mais tout le monde s'en foutra, donc du coup, bah, je stream quand même, mais... Alors, Zeldo!
Zelda sans Zelda. Changement de scène. Tadam. Pour une fois, ça fonctionne du premier coup. Incroyable. Ah, les autres. Alors la question, c'est j'en étais où? J'en étais où? Qu'est-ce que j'allais faire? Pourquoi? Comment? Voilà. Je ne me souviens plus. Du coup, on verra. Hein. Bah, j'ai plus mon Prime Gaming. Ah! T'as plus Amazon Prime? Qu'est-ce que c'est dire que si, si? T'as plus ton Amazon Prime? Je vais enlever la housse de ma manette parce que j'ai l'impression qu'elle devient un peu collante. Et je déteste la texture que ça fait. Mais du coup, par conséquent, j'ai l'impression que la manette, elle est toute gluante. Du coup, je vais l'essuyer un peu. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Peut-être à cause de la chaleur, je sais pas. Heureusement, j'ai une lingette désinfectante avec moi. Ah, je ne supporte pas ce genre de texture là. Berk. Du coup, vous en faites pas si mon personnage il fait des trucs chelous, c'est parce que je suis en train de nettoyer la manette. La manette collector Monster Hunter, Sunbreak. D'ailleurs, au passage. Voilà. Ok, attendez, j'essuie la manette. Tiens, 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 comment ça, gluante? Tu as fait quoi avec ta manette? Alors, en fait, Lou, qui a les idées mal placées, je sais que t'adores les slimes et tout ça, mais quand même. J'ai une cover en silicone sur la manette pour la protéger des chocs. Et des chats, aussi. Coucou, Yushi! Sauf que je pense qu'avec la chaleur, cette coque en silicone, j'ai l'impression qu'elle bave un peu. Et je n'aime pas du tout la texture que cela lui donne. C'est très désagréable. Voilà. Je veux mes emotes. Ah! Ah bah, tant pis. Tu les auras quand tu les auras, t'inquiète pas. T'inquiète pas, c'est pas grave. Ok. Ça a l'air d'être mieux. Ça a l'air d'être mieux. Ok, manette is ok, manette is ok. Ça va, Yoshi? Je suis deg, en plus j'étais à deux doigts de up mon avant-dernier crafter et tout. Là, j'avais juste à rendre mes crafts. Sauf que le jeu, il a crash. Alors, quand je dis jeu, je parle de FF14, évidemment. Sais pas si. Est-ce qu'ils ont mis. Attendez, est-ce qu'ils ont mis quelque chose sur. Sur Lodestone? Non, ils ont rien mis pour l'instant. J'espère juste que c'est rien de grave, quoi. Oui, j'ai fait mes courses. Ah! Bah tant mieux. Ok, Zelda sans Zelda. Alors, déjà, comment on joue? Ok. Parce que j'ai encore oublié comment on joue, évidemment, sinon c'est pas drôle. Je dois aller faire quoi? Je dois aller où? C'est quoi les boutons de la manette? Je ne sais pas. Je suis perdue. Tu viens au bon moment, Mali, elle a sa manette qui devient gluante, là on se demande pourquoi. Tout à fait, Lou, tout à fait. Alors, je vais regarder mes quêtes. Je pense que c'est une bonne idée. J'en suis où? Étrange phénomène au château, blablabla. Nanana. Vous n'avez pas trouvé la princesse sur l'île flottante, nanana, mais lorsque vous avez touché la lumière au fond du temple du temps, les mots retrouve-moi sont mis à résonner, blabla, ok. Donc ça, c'est quête principale, ok. Mais alors, du coup. C'est quoi les missions? Ah oui, ça, c'est vraiment genre les trucs. Ah oui, d'accord, mais oui, alors c'est ça que je veux faire. Je voudrais retrouver les souvenirs. Mais alors, il y a des souvenirs, je les retrouve comment? Il me manque 1, 2, 3, 4. Il me manque 4 souvenirs. Est-ce que. Alors, sans me spoil. Coucou Asumi, comment vas-tu? Sans me spoil, est-ce que vous savez comment je peux retrouver des souvenirs manquants? Est-ce qu'il faut faire les quêtes secondaires ou est-ce que c'est avec genre les missions ou quoi? Ça va, ça va, ça va.
Peut-être en faisant ça, hein. Alors attendez, un message des temps anciens. Il a été découvert qu'il existe 13 stèles. Ah, c'est vrai qu'il y a ça aussi à faire. Les plans du grand Kogan. Nanana. Non, mais t'as vu, elle dit bonjour à tout le monde, mais pas moi. Oui, pardon, mais j'ai vu ton message en fait, pardon. Coucou, Krige, j'espère que tu vas bien. J'ai vu ton message et puis j'étais en train de finir un truc et le temps que je finisse mon truc, bah j'ai oublié. Désolée. J'espère que tu vas bien en tout cas. Tu as re le son, c'est bon, t'as récupéré le son? Non mais alors sinon les deux jeunes là, les deux genoux là, hein, les deux bébés là, les deux petits bébés de Twitch. Va falloir que vous appreniez que c'est pas parce que je ne lis pas vos messages dans la seconde que je ne vais pas le lire après. D'accord? La patience, vous connaissez la patience? C'est le truc qui ne va pas avec TikTok. D'ailleurs. Non mais, pas possible ça. Ça va, ça va. Bon, alors l'amulette de portation, une nouvelle fonction, gna, ok. Vous avez récupéré le prototype d'amulette de téléportation au laboratoire antique d'Akala. Rapportez-le à présent à Pharas, au laboratoire Prua, au village d'Elimine. Ok, faut que j'aille au village. Faut que j'aille au village. C'est pas là, hein. Ça, j'ai déjà fait ça. Oh, faut que j'aille au village maintenant. Il est où le village? Il est où déjà le village? On ne sait pas où il est le village. Village Cocorico. Ah ben c'est juste à côté en fait, je suis débile. Ouais, hein, les bébés Mali et Calista. Pardon? Tu t'es trompé, je pense, Lou. Moi, je peux rien dire, je suis sûrement le plus jeune ici. Mais Lou aussi. Lou, c'est un petit bébé aussi. Vous êtes des petits bébés. GG la Raymanta. Ah, quel enfer. La météo de ses morts. Ok, il faut que je la porte à qui déjà? Il faut que je la porte à Pharas, au laboratoire Pruda. Au village... Mais. Bah non, mais oui, faut que j'aille là du coup. Laboratoire antique. Mais j'y étais la dernière fois, non? Mais il n'y avait personne, il me semble. Mali, question. Plus 2,8. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, Lou? Bah, c'est écrit plus 2,8, hein. Moi, je lis ce qui est écrit, hein. Pourquoi tu hurles, Calista? Qu'est-ce que j'ai mal dit? Ça s'appelle une virgule, hein. Ah oui, ouais. Je me disais. Ah, mais non, mais c'est pas là que j'étais tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, pas tout à l'heure, il y a 2 semaines. Tout à l'heure, il y a 2 semaines, tout va bien. Ok. Ah, il y a bien que Krige et Lou pour sortir du 69 dans tous les sens, hein. Je vais poser ma question à Mali. Dans Genshin, la quête d'Archon, dans Fontaine, elle se passe sous l'eau ou elle se passe... Alors, Lou, je n'ai pas fait Fontaine. Voilà. J'ai fait la toute, toute, toute première mage de Fontaine et c'est tout. Donc je ne sais pas. Tu savais que la tablette Prua est encore loin d'avoir atteint son plein potentiel. Elle peut encore évoluer. Alors, on a sa numération. Amulette de téléportation. Je comprends bien ton intérêt prononcé pour l'amulette de téléportation. Elle faciliterait grandement tes déplacements. Cependant, sans le prototype d'amulette qui se trouve au laboratoire antique d'Akala, je ne peux pas un instant. Quelque chose me dit que tu reviens du laboratoire. Serait-ce possible? Comment? Tu as déjà ça sur toi? Mais quel talent! Voilà qui devrait faire parfaitement l'affaire. Vite, sors ta tablette Prua. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Hein. représente le signe astrologique du poisson, il me semble. Oui. Je suis persuadée qu'ils ont pensé à ça, Ryu. Je suis persuadée. Laisse-moi juste un petit instant. Amulette de téléportation. Ok. Tadadadam. Ok.
Mali, tu as déjà répondu à ma question. Oui. Ah, oh, c'est dommage. Ah, oh, c'est dommage, t'as pas entendu ma réponse, Lou. Oh bah zut alors. Oh bah mince. Quel dommage. Pour une fois que je réponds à la seconde près. C'est bête, hein. Je pensais que tu mangeais du coup. Ah, tu as pensé que je mangeais. D'accord. Qu'est-ce qui t'a fait penser que je mangeais? Sachant que je ne mangeais pas. Je l'ai ajouté à tes objets spéciaux. Fais bien attention à ne pas la perdre. Place ce petit bijou à l'endroit de ton choix et tu pourras y retourner à ta guise et quand tu le souhaiteras. Et en plus, tu pourras le voir sur ta carte. On ne peut pas faire plus simple. Bien sûr, avec davantage de données, je pourrais sans doute ajouter deux autres. En ajouter deux autres avant d'atteindre le maximum. Alors, Lou, déjà, la politesse, on repassera. On dit s'il te plaît. Tu m'as mute par erreur. Ouais. J'ai dit, Lou, je n'ai pas fait fontaine. J'ai fait la première mage de fontaine et c'est tout. Du coup, je ne sais pas ce qui se passe après. Donc, je ne peux pas t'aider. Voilà, désolée. En parlant de replay, Calista, merci pour la relance. J'ai été très, comment on appelle ça? Je ne trouve pas mes mots. Tout va bien. J'ai fait beaucoup de choses cet après-midi. Entre autres, j'ai mis à jour les VOD sur YouTube. Voilà. Les VOD sont à jour. Alors, en soi, elles étaient déjà à jour. C'est juste que j'avais pas mis la miniature. J'avais pas mis le bon titre. J'avais pas mis les bonnes catégories. J'avais pas mis les bonnes descriptions, etc., etc. Maintenant, c'est à jour. Voilà. Donc, si jamais vous voulez voir les VOD, sachez qu'elles sont disponibles. Et sur Twitch. Et sur YouTube. Voilà. C'est tout. C'était juste ce que je voulais dire. Voilà, c'est tout. Mais pour installer notre amulette, il me faudrait les données cartographiques de 10 tours. Une formalité pour un jeune gaillard comme toi. Je veux aussi te préparer un manuel d'utilisation pour ce fantastique outil. Donne-moi juste un moment. Mais j'en ai 10 tours, non? J'ai toutes les tours, normalement, non? Alors, ce n'est pas tout simplement brillant. Un manuel d'utilisateur pour l'amulette de téléportation. Ok? Tu peux maintenant consulter les détails du fonctionnement de l'amulette de téléportation à ta guise. Tu ne comprends pas comment utiliser? Hop, un coup d'œil au manuel et c'est réglé. D'accord. Merci, du coup. Ah, le seul truc, c'est que je dois venir là, quoi, pour le voir. Alors, l'amulette de téléportation est. Pourquoi il y a Link qui dégouline? Pourquoi Link qui dégouline? Il a un problème de transpiration, je pense. j'ai trouvé ça hilarant, mon perso dans Genshin a dit: Oh là là, je sens que je tombe dans les pommes. Il en faut peu pour être heureux. Moi, ça m'a fait rire. D'accord. L'amulette de téléportation est un artefact exceptionnel qui permet de créer un point de téléportation n'importe où. Ok, vous le trouvez dans les objets spéciaux. Blablabla. Ok, il suffit de vous rendre à l'endroit de votre choix et de l'y placer. Je vois, je vois. Mais normalement, j'ai les 10 tours, non? Attendez, j'en ai une là. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bah j'en ai 10. Eh mec, j'en ai 10, hein. Bah oui, patate. Je les avais déjà tout à l'heure, en fait. Non mais n'importe quoi, hein. Je passe en l'heure que je vais essayer d'être productif vu que FF est cassé. Vous pouvez toujours pas vous connecter? J'espère que c'est rien de grave quand même. Hein. Surtout qu'en plus il y avait la mage demain. Bah non, justement, elle vient de dire qu'elle sera productive. Donc ça veut dire qu'elle va pas jouer, justement. Vraiment jamais ils sortent. Pourquoi faire? Ça coûte cher de sortir. Vous vous rendez pas compte que ça coûte trop cher en fait de sortir, hein? On a plus les moyens de sortir. On n'a plus d'argent. On n'a plus envie de sortir et que ça coûte un bras.
Voilà. Du coup, on s'occupe avec ce qu'on peut. Bon. Donc, ça c'est fait. Terminer la quête. Ça c'est fait. Tu as certes désormais accès à la puissance des allumettes de déportation, mais notre travail n'est pas terminé. Ta tablette pourrait être encore incomplète. Ne t'arrête pas en si bon chemin. D'accord. Genre, toujours plus en fait, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Enquête de vérité. Ah oui, la rédactrice. Oh, ça c'est chiant. Nambour veut préparer des crêpes au miel pour Maestro, son chef d'orchestre. Il lui manque cependant le miel nécessaire à la recette. Il aura besoin de 3 rayons de miel enduro pour préparer ses crêpes. Ça, je dois pouvoir le faire facilement, je pense. D'ailleurs, je me demande si j'en ai pas déjà dans mon inventaire. Est-ce que j'ai pas du miel qui traîne? Ah bah si, voilà. Ah non, c'est pas ça. Ah, c'est ça. Rayon de miel enduro. Ah bah voilà, j'en ai. Bah parfait. Bah let's go. Bah let's go! Alors, c'est où? Ah, c'est là. Oh, faut que j'y aille à pattes en plus. Attends, y a pas genre un truc au-dessus? Ah si, y a un truc au-dessus. On va y aller par la voie aérienne. Voilà, j'optimise. Les flemmards, je te jure. Non mais ça va bien, oui. Light, ok, mais pas chaos. Ah. Ouais, c'est ça, ouais. T'as exactement Calista, ouais. Profitez d'être de ne pas être adulte encore. Profitez-en parce que vous allez voir la galère que c'est. Surtout à notre époque, surtout maintenant, que c'est la grosse merde. Bon alors attendez, moi je veux sortir par contre. Hein, Il y a des trucs là. C'est par où la sortie? C'est par là-bas. Mais saute. Alors, parce qu'à votre âge, j'avais déjà éduqué 2 gosses, donc bon. Alors. Donc. C'est par où? Attendez, je regarde sur la map en même temps. Ah, c'est là. Ok, c'est par là-bas. Attends, je vais peut-être mettre mon stuff de planeur là. Stuff de planeur. Celui-là. Et celui-là. Oh, il y a un dragon! Oh, attendez, je vais essayer d'atterrir sur le dragon. Oh, let's go. C'est lequel? C'est celui de glace? Ok, j'ai l'équipement normalement. Comme de par hasard, hein. Quel timing incroyable. Vous trouvez pas? Moi, je trouve que j'ai un timing incroyable. Hein. Ok. Let's go. Bonjour. C'est pour récupérer quelques petits. Ah oui, oui, j'ai un peu froid. Oui, attendez. Voilà, ça va mieux maintenant. Normalement, ça va mieux. Je récupère des petits matériaux, voilà. Dès qu'elle trouve un gros truc, faut qu'elle va dessus, un truc. Alors, loup. Ça s'appelle un dragon, tu vois. C'est un être vivant, légendaire, mystique, mythique, tout ce que tu veux. Voilà, d'accord, ok. Et ça donne des trucs qui brillent. Non, mais c'est bon, quoi. Je vais les ramasser derrière, là. Il y en a aussi derrière, je pense. Ah tiens, d'ailleurs, est-ce que j'ai toute la map dans le sous-sol, moi? Yay! Plein de cailloux qui brillent, trop bien! Alors, si tu regardes Dungeon Meshi, crie-je. Regarde Dungeon Meshi. Ils ont testé. Ils ont testé de manger du dragon. Du coup, ils pourront te dire si c'est bon ou pas. Il est en train de descendre. Il va m'emmener où, tiens? Oh, il va aller là. Ok.
Bon, j'ai un peu dépassé mon objectif, mais c'est pas grave. J'ai envie de voir où il va m'emmener. Ça se trouve, il va m'emmener. Par contre, faut que je me cale sur sa tête, sinon je vais tomber. Attends, attends, attends. Attends, descends pas trop, le dragon. Hé! Hey. Voilà, je me cale là, là. Voilà, très bien. Alors, voyons voir. Ah, mais j'ai déjà été. J'ai déjà été. Par contre, s'il va par là, ça m'arrangerait. C'est pas grave, au pire, je récupérerai juste un petit cristal, puis c'est tout. Bon, j'espère que vous n'avez pas le vertige, hein. Lou attend d'être majeur pour avoir ce genre de propos. Mais on est d'accord. Et après, elle dit qu'il se passe rien dans le jacuzzi, hein, mais voilà quoi. Moi, je pense que quand elle a ce genre de propos. Alors, le bot là. Oh là là. Incroyable. Il s'est fait têche à une vitesse. Il s'est fait têche à une vitesse, le bot. Incroyable. Je pense que vous avez peut-être pas vu, mais tellement c'était rapide. J'aime beaucoup ces rebots. Franchement, je vous conseille, si vous streamez. Ah, il a pas. Ok, ouais, non, il a pas. Et merci. Mais en fait, des fois, je suis obligée de valider 3 ou 4 fois avant que ça le prenne en compte. Des fois, je dois cliquer 3 ou 4 fois sur OK pour que ça prenne en compte. Il aime la discussion. Suffit qu'une personne de mal intentionnée passe et on peut avoir des problèmes à cause de ces détournements salaces. Oui, après, tant qu'il n'y a pas de mots directs d'utiliser, tu vois, bon, voilà quoi. OK! Ok, le dragounet. Bon, tu m'emmènes où? Tu vas dans quelle direction? Bon, il a l'air d'aller dans la direction que je veux. Du coup, je pense que je vais rester un petit peu sur ses épaules. Enfin, sur sa tête plutôt. Si ça vous dérange pas. Parce que c'est un taxi gratos, quoi. C'est un taxi gratos. Bah, exactement. Bah oui, évidemment, c'est mon taxi, quoi. Eh, écoute, logé, nourri, blanchi. Non, je suis peut-être pas nourri, mais voilà quoi. C'est gratuit. Moi, je prends, hein. Oh, il y a un mob là. Qu'est-ce que c'est que ce machin? J'ai jamais vu ça. Bon, j'arrive pas à voir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Lito Goma. D'accord. Bon là, les tours, je les ai. Moi, en fait, je veux qu'il m'emmène là-bas, là. Parce que du coup, j'ai pas les tours encore. Du coup, bah, vu que j'ai le taxi gratuit, en espérant juste qu'il ressort pas entre-temps, quoi. Est-ce que je vais sur son nez? Attendez, je vais aller sur son nez. Voilà. On voit mieux. Voilà. On voit mieux. Bon, il fait un peu sombre, hein. Et les taxis pas chers, c'est suffisamment rare. Attends, oui, j'ai raté le message. À plus dans le bus, des bisous que pour Mali. Merci, Calista. Amuse-toi bien, quoi que tu fasses. Bon courage. J'espère juste que, ouais, pour F14, c'est rien de grave. C'est pas une attaque, un truc, ou...
J'ai regardé, vous savez, la première chose que j'ai regardé quand il y a eu le crash, j'ai regardé les séismes. J'ai regardé les séismes. Mais c'est pas ça. Voilà. Donc c'est peut-être. Parce que je me suis dit, est-ce que ça vient du Japon ou est-ce que c'est juste chez nous? Mais si c'est que en Europe, du coup, oui. C'est. J'espère juste c'est pas. Voilà quoi. Il n'y a toujours pas eu d'annonce l'automne d'ailleurs? Je savais pas que c'était que l'Europe au début. Ouais, non, il n'y a pas de message encore. C'est peut-être un stagiaire. Coucou Oxina, les serveurs sont à Francfort. Oui, je sais, mais je savais pas que c'était que l'Europe, c'est pour ça. Après, techniquement, c'est le Japon qui décide de couper les trucs ou pas. Hein. Mais oui, bah, j'espère que c'est rien de grave en tout cas. Allez, petit dragounet là, emmène-moi en zone inconnue. Ah, mais il va pas du tout où je veux. Tu vas pas du tout où je veux. Ou alors il va tourner après, peut-être. Vous pensez qu'il va tourner après? Mais alors, du coup. Alors, attention, spoil pour les gens qui n'ont pas joué au jeu. Mais alors, du coup, est-ce que ça voudrait dire par rapport à ce qu'on a fait la dernière fois? Enfin, par rapport à ce que j'ai fait la dernière fois. Est-ce que ça voudrait dire que tous les dragons sont en fait initialement des personnes qui se sont transformées en dragons pour pouvoir vivre à l'infini? Un truc du genre? Comme l'autre? Vous savez, l'autre? Nous, on va se faire foutre, je crois. Comment ça? Mais non, mais. Sinon, j'ai lu vos messages en fait. Moi, je veux pas la baston en fait. C'est pas parce que Calista vous fait pas de bisous qu'elle vous aime pas, hein. Attends, il s'endort ou quoi, Link là? On va se mettre dans un coin tout seul. Oh là là! Les petits bébés, ils sont tristes tout nés parce que Calista, elle a pas fait de bisous. Calista, il faut que tu fasses un bisou à Lou et Krige, ils sont tristes. Fais un bisou pixel. Un pixou de distance. Bon, par contre, ouais, il m'emmène pas du tout au jeu. Hein. Y a quoi ici, d'ailleurs? Bon, il va pas du tout où je veux. Hein. Eh ben, c'est pas grave. Voilà. Je vais... c'est pas grave, je vais aller là-bas. Voilà. Salut, Dragounet! On se reverra plus tard. Hein. Je viendrai te taper un petit coup pour que tu me donnes une écaille. Elle peut pas, elle est plus là. En zut alors. C'est trop triste. Loup pose ce ciseau. Voilà. Du coup, je vais bouder. Bah écoute, ça fera du boudin. Hein. Alors. Du coup, je dois aller là-bas. Du coup, c'est par là-bas. Pensez que je peux ramasser les carottes? Ah, si vous touchez, vous risquez de machin un truc. Ah, dommage. Alors, j'aurais pu prendre mon poney, mais j'ai la flemme. Je sais pas si je peux prendre mon poney ici d'ailleurs. Je pense pas, hein. Bah, c'est pas grave, je vais y aller à pattes, hein. J'ai presque peur, Malik, comment tu savais que j'avais des ciseaux? Bah, en même temps, quand est-ce que tu ne les as pas? Quand est-ce que tu ne les as pas, Lou? Allez, cours, Link! Ça fait les mollets. Vite, faut aller faire la quête. Ouais, coupe les buissons en même temps.
Et là, on va croiser un Ninel en plein milieu de la route. Oh non, encore lui! Oh, quel emmerdeur! Qu'est-ce que tu veux, toi? Je suis sûre que t'es un méchant. Je suis sûre, lui, c'est un méchant. Alors. Mon truc, il est chelou en plus, genre. Je suppose que. Ok, je vais tester un truc, attendez. Comment on fait? C'est ça, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Je vais tester un truc. Parce qu'il me fait pitié, en fait, c'est pour ça. Ah. J'ai pas géré la longueur. Et pourquoi ça se fixe pas là? Pourquoi ça veut pas? Genre, bouge! En tout cas, aucune communication de la part de Square Enix, c'est vraiment pas terrible. A priori, c'est lié à une attaque DDoS. Non, mais ils mettent toujours un message, mais pas tout. Enfin, des fois, ça prend plusieurs minutes, hein. Peut-être qu'ils sont surtout en mode panique totale en train d'essayer de gérer le truc, hein. Bon, mais en général, ils mettent tout le temps des messages. Ouais, donc je pense qu'ils sont surtout en train de régler le problème avant de. Ah, voilà. Ok. On va tester. Ouais, mais du coup, je pense qu'ils donneront plus de détails quand ils auront réglé le souci, surtout. Parce que là, si c'est une attaque des DOS, je pense qu'ils sont surtout en mode full sécurité, il faut pas perdre les données, machin et tout. Perso, moi non, Genshin marche super bien, je m'amuse beaucoup là en jouant. Oui, non, mais on parle de FF14, Lou. On parle pas de Genshin. Mais allez, t'as vu, Lethal Company, ça a reçu une nouvelle mage. Oui, j'ai vu, j'ai pas encore joué depuis. J'ai pas encore rejoué depuis, frais. Enfin, il faudrait que je cale du Lethal Company. Incroyable! Ça balance un peu. Mais oui, j'ai vu. Faudrait que j'organise une petite soirée quand j'aurai. Quand je serai en forme et quand j'aurai le temps. Avec des gens. Genre avec Yoshi, avec Aki, et peut-être avec Papy. Ou avec quelqu'un d'autre. Merci pour la moula. Ok. Ah, merci pour le boulet de champi. Ah, merci. Ok. C'est gratuit, je prends. Hein. Moi, j'ai reçu à refaire jouer un de mes potes depuis On joue tous les jours. Bah, c'est cool, hein. Ok. Alors. Le petit point, il est là. Ah, c'est là-bas. Merci pour le lurk, Yoshi. Bon lurk à toi. Ah oui, c'est lui. Gna gna gna, danse, 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 tout ça. Oui, bah, prends ton miel et. Voilà, quoi. Je vais pouvoir faire des crêpes au miel. Incroyable. En vrai, ça donne faim. Je vais faire des crêpes. J'ai envie de faire des crêpes. En plus, il y a du Nutella. Les brides abattues ont repris du service. C'est pas des bobards.
Alors, c'est que je peux pas rester ici, moi, il faut que j'aille leur apporter mon rythme endiablé. Le truc, c'est que moi, je travaille pendant ces vacances, donc je peux pas trop jouer. Ah, dommage. Mais t'auras plein d'argent comme ça. Tu travailles, tu pourras mettre de l'argent de côté et tout. Donc sur ce, je vais tout de suite me mettre en route pour retrouver le chef d'orchestre. À la prochaine, mec, j'espère qu'on se revoit. Ok. Du coup, là, on va pouvoir débloquer une fée, non? Terminé. Quête terminée. Elle est où la fée ici? C'est là? Ça doit être celle-là, je pense. Je vais aller voir. Bah, c'est déjà pas mal, hein? Franchement, en plus, si t'as pas de dépenses à faire dessus, franchement, c'est pas dégueu, hein? Dis-toi, c'est plus ou moins le prix du RSA moyen. Et encore, je trouve que c'est vraiment le RSA quand t'as pas, quand il n'y a pas trop de trucs à côté. Donc, non, franchement, si t'as pas de dépenses à faire à côté, économise, hein? Je te conseille, vraiment, je te conseille personnellement, si tu peux, mets la moitié de côté. Au moins la moitié de côté. Au moins la moitié de côté. Et après, si tu veux te faire plaisir et tout, après, je sais pas si t'as des trucs à faire avec, mais pour quelqu'un qui a besoin de payer ni facture ni loyer, oui, franchement, oui, c'est ça, en fait. C'est ça qui est bien. Je sais pas où je dois aller. Est-ce que je dois aller au village ou... Où je dois aller là? Hein, ne ma splendeur n'a rien à faire dans un monde si répugnant. Tu croyais peut-être que j'accepterais de renforcer les vêtements d'une créature telle que toi. Mais qui m'était... Moi qui m'étais installée tout près du relais pour faire profiter les voyageurs de mes talents. C'était sans compter sur le tour désastreux qu'ont pris les événements. Et je donnerais cher pour entendre le son du tambour. Voilà qui me rendrait peut-être le courage de... Bah, justement, je suis pas censée avoir... Ah mais non, mais faut que j'aille au relais, je pense. Faut que j'aille au relais. Je crois qu'ils sont au relais, le groupe. Je mets 300 euros de côté à chaque fois. Mais franchement, c'est très bien. Il faut, hein. Il faut, hein. Parce que on sait jamais, tu vois. Vraiment, on sait jamais. Un problème de santé, un accident, un truc qui casse. Vraiment, hein. Je dis pas qu'il faut être parano. Je dis juste que c'est bien d'avoir une sécurité. Tu vois ce que je veux dire? Ah voilà, bah oui, mais ils sont là, ils sont en train de jouer, c'est bon. Quel désastre. Il manque quelqu'un là. Notre joueur de tambour est revenu, mais tout de même, tracasser ainsi ses musiciens est indigne d'un chef de troupe. Bon, c'est vrai que la raréfaction de nos spectateurs m'a peut-être mis un petit coup au moral. Mais peu importe, avec le rythme du tambour de Nambour, les brises abattues ont retrouvé leur âme. Je suis si heureux que je suis un vrai moulin à paroles. Mais dis-moi, public fidèle, est-ce que tu es venu parce que tu te fais du souci pour la grande fée? Bah oui. Dis-toi, mon frère est encore à la maison et il travaille à mi-temps. Il se met 800 balles par mois sans avoir rien à payer. Lui, il s'est mis bien, tu vois. Non, mais franchement, il faut. Il faut absolument... Parce que ça coûte tellement cher maintenant pour trouver un appartement ou quoi que ce soit. Plus vous pouvez mettre de côté facilement, vraiment profitez-en. Je dis pas non plus qu'il faut rester chez les parents jusqu'à 50 ans. Mais les pauvres. Mais franchement, si vous avez la possibilité de mettre de côté, que vous n'avez pas de loyer, pas de facture à payer, faites un maximum d'économies, ça vous servira forcément à un moment donné. Hein. Je pars en CAP, moi, c'est pour ça que je travaille. Oh, mais franchement, c'est bien. Oui, moi je veux voir la grande fée. Faut aller faire de la musique. Tout comme la grande fée du reste de la forêt, elle doit être terrifiée. Je sais qu'elle aime écouter Nambour jouer du tambour. Je me disais donc que si elle l'entendait jouer à nouveau, c'est rythmes de je salue mon moral. Mais le pont qui mène à la grande fée est cassé. Ah, il faut que je répare le pont. Ah. Et si on traversait la rivière à gué? Mais c'est bien sûr, traverser la rivière, j'aurais dû y penser. Bien, c'est décidé, en route.
Ah mais voilà. Je vais temporairement monter le son de la Switch. Et temporairement couper Spotify. Parce que je me dis, vu que c'est un groupe de musique, peut-être qu'il va y avoir de la musique. Bah du coup, c'est où qu'ils vont traverser? Ils sont barrés où? Ah, ils sont là. Ok. Je suppose qu'il faut que je fabrique un truc, c'est ça? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ok. Bah super. Bah je fais comment du coup? Faut bien que je fasse quelque chose, non? Qu'est-ce que je suis censée faire? Qu'est-ce qu'il raconte? Je me suis dit que si on pouvait pas emprunter le pont, on pourrait peut-être traverser la rivière, alors je suis venue ici. Mais même en retirant les roues du débridé et en le faisant flotter, le courant de la rivière est trop fort. Dire que la grande fée... Ah. Ouais, il faut... Mais oui, du coup, il faut que je mette des trucs dessus, mais peut-être que comme je lui ai pas parlé, il veut pas. Constructeur POV. Exactement. En fait, c'est Zelda Ikea. C'est Zelda et Link à Ikea. Oui, bah j'ai vu. C'est bon, je peux poser des trucs maintenant sur ça ou pas? Oh, c'est bon, il veut bien. Ok. Comme ça, on met un là. Qui c'est qui me spamme? Ok. Qui c'est qui me spamme sur Discord? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, difficulté technique affectant le réseau. Je viens d'avoir le message. Alors attendez, je vais regarder. Qu'est-ce que ça raconte? En raison d'attaques par déni de service contre l'un de nos fournisseurs d'accès à Internet, nous subissons en ce moment des difficultés techniques dont vous trouverez le détail ci-dessous. Nous suivons ces attaques avec la plus grande attention à préparer et préparons des mesures de défense. Nous vous tiendrons informés de la situation dès que possible. Les joueurs peuvent rencontrer des difficultés suivantes. Déconnexion des centres de données européens. Difficulté à se connecter aux centres de données. Difficulté d'accès, d'envoi et de réception des données. Ok, donc ouais, voilà. Comme je vous dis, ça met un peu de temps à venir des fois, mais ils sont dessus. Ok. Ah, ça vient de chez toi, les notifs. Je devenais parano là, Ouais, non, t'inquiète. Bah ça va être mon guidon quoi. Alors je vais le mettre où? Oui bah ça va, paniquez pas. Bon. Allez, tout le monde à bord. Ah. Ça flotte pas. Ok, ça flotte pas. Il ne flotte pas. Du coup, il faut que je fasse en sorte qu'il flotte.
Il est trop lourd, comment ça se passe? Juste petite manie, t'as derrière combien sur Genshin? 58. 58 depuis très longtemps. Parce que j'ai pas joué depuis très longtemps. Voilà. Enfin, j'ai pas vraiment joué sérieusement, surtout depuis très longtemps, on va dire. Alors. On va le mettre là-dessus, voilà. Voilà. C'est bon là? Je peux y aller là? Ils vont rien dire, c'est bon, ils vont pas râler. Ok, je l'ai pas assez, faut que je l'avance un peu plus. Genre là, là. Ah, ça a l'air de flotter là, peut-être, non? Non, ça flotte toujours pas, hein. Ça flotte toujours pas, hein. Pourquoi il veut pas flotter? Parce que c'est trop lourd. Hein. Il m'emmerde. Oh mais... Ils sont casse-pieds? Laissez-moi faire des tests. Bon. Ah mais je suis bête, j'avais pas vu qu'il y avait du bois ici. Ah mais je suis bête, j'avais pas vu qu'il y avait ça. Je l'avais pas vu, le truc. J'avais pas vu. Forcément, ça casse tout. Sinon, c'est pas drôle. Pourquoi j'arrive pas à le... Alors, on va recommencer. On va mettre ça. Va mettre ça là. Je fais du housing Zelda, ok? Ok. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux utiliser? Est-ce que si je mets juste du bois en dessous, ça va flotter ou pas, vous pensez? Vous pensez que ça suffira? Je suis pas sûre, mais... Ok. Mais non, je veux pas le mettre là, lui. Qu'est-ce que... Pourquoi... Pourquoi il tourne? Alors, mettre là. Non. Mais... Je veux bien te mettre correctement, merci. Voilà. Là. Je sais pas. Pas spécialement. Pas spécialement. En fait, des fois, je cherche compliqué alors que je pourrais faire simple. Bon alors. Est-ce que vous pensez que ça va flotter? Mais ça flotte! Qu'est-ce que... Quel emmerdeur! Ça flotte! Qu'est-ce qu'il y a? Faut que je parle à quelqu'un d'autre, c'est ça?
J'ai le truc qui flotte et tout. Genre, aller dedans, je sais pas. Bon, attendez, je vais tester un truc. Je vais changer d'arme par contre. Non, mais je veux couper l'arbre. Je vais mettre sur des rondins, hein. Peut-être moins râler si c'est sur des rondins. Voilà. Bon, il me faut un autre arbre. Moi, j'aime pas les bateaux. Bah, t'es sur l'eau dans un bateau, t'es pas sous l'eau. Du coup, ça va, non? Mais il y a un truc là-bas aussi. Bon. Et là, est-ce que... Allez, avance! Mais ils sont... Mais comment je fais? Comment je suis censée faire? Je comprends pas. Ils veulent que je les aide à traverser. Je trouve un truc pour qu'ils traversent, mais ils veulent pas. Qu'est-ce qu'ils sont chiants? Qu'est-ce que vous voulez là? Au bout d'un moment, je vais vous écouter. Ah d'accord, ok. Bon. Allez, montez à bord là. Il est relou là. Montez à bord, j'ai dit. J'ai dit montez à bord. Il y a quelque chose dans le débris d'eau, on n'aura pas assez de place pour... Oh là là! Voilà, c'est bon, j'enlève ça, vous êtes contents. C'est bon, vous pouvez aller dedans maintenant ou pas? Bah non, je peux pas, Lou. Je peux pas. C'est bon, ils sont dedans? Ok, c'est bon, ils sont dedans. Non mais Link, tu fais pas d'effort là aussi, hein. Genre, grimpe, s'il te plaît. Voilà, merci. Allez! Bon, le truc, il tourne, mais ça, j'y peux rien, hein. Oh, j'espère que c'est pas la lune rouge cette nuit. Ah, il y a le dragon encore. Ok, on est bientôt arrivé. Allez, hop. C'est bon. C'est bon, j'ai réussi. Petit concert.
Ok, let's go! On va enfin sortir de son chou là. Attention les yeux! Elles ont changé l'effet quand même, hein. C'est plus ce que c'était, hein. J'ai imaginé trop la voix là, mesdames et messieurs, veuillez garder vos mains et vos jambes à l'intérieur du bateau. Exactement. La grande fée est sortie, regardez, elle sourit. J'ai le cœur qui bat la chamade, ça tambourine là-dedans. La musique des brides abattues est le remède contre l'amorosité. Merci encore une fois. Je t'ai préparé une récompense si lourde qu'elle pourrait t'arracher les poches. Bah super. De l'argent, de la moula, let's go. En plus, je suis pauvre. Maintenant, mes poches à moi sont plus légères. Je vais pouvoir me concentrer sur la musique. Toutes les grandes fées ne sont pas encore sorties de leur bourgeon. Alors nous allons nous mettre en route pour rejoindre la prochaine grande fée. Merci pour ton aide. Ok. Bon bah une de fête hein. Ça me dit toujours pas comment je vais pouvoir faire pour récupérer les souvenirs qu'il me manque. Parce qu'il m'en manque 4. Mais j'ai trouvé les glyphes là, machin. Du coup, ça doit être autre chose. Que c'est agréable, il n'y a rien de mieux que de respirer l'air extérieur à plein de poumons. À plein poumon. Le rythme du tambour a embrasé mon cœur. Veux-tu que je te fasse profiter de cette douce chaleur? Si tu as le matériau nécessaire, je peux améliorer tes vêtements. Moi, je peux rendre des vêtements très résistants. Ah oui, moi, je veux bien, moi. Hein. Ah oui, mais bah oui, mais il veut pas me rendre de la tenue que je veux, très résistante. Du coup, moi, ça m'embête. C'est pas grave, je vais améliorer ce que je peux améliorer. Hein. Ça coûte combien? J'ai pas fait gaffe. Ah, oh, ça va. Ok, j'ai eu peur. Ok. Oui. Ah ça je peux pas parce que j'ai pas ce qu'il faut. Ok. Ça j'ai largement ce qu'il faut apparemment. Elle n'est pas un peu grande ta fée? Écoute, ne pose pas de questions, loup. C'est pas moi qui fais le jeu. Ah, je peux encore l'améliorer. Bah, améliorons, améliorons. Ah, mon argent, mes rubis! Ça pourra toujours dépanner, hein. En fait, surtout que là, je pense que je vais aller me balader dans le sous-sol où j'ai pas encore les maps. Et du coup, je vais avoir besoin de cette tenue, je pense. Mon argent! 200! Elle passe de 50 à 200? Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Heureusement, j'ai skip, hein. Heureusement, j'ai skip. Le pauvre Link. C'est fait agresser, là. Il n'y avait pas de consentement, là, clairement. Ah, techniquement, si, il a dit oui, améliore, s'il te plaît, mais... 50. Oui. Je suis pauvre. Je suis pauvre. Et là, 200 aussi. Bon, de toute façon, j'ai pas l'argent. Ça, c'est fait. Ouais, je sais, c'est pas fun ce que je fais, mais bon, il faut passer par là. Hein. Vous inquiétez pas, je vais bientôt aller explorer les tréfonds sombres de Hyrule. Enfin, enfin, voilà quoi. Non, mais je veux Namana. Je veux continuer à améliorer, je me suis trompée. Ah oui. Améliore encore. Bah, c'est écrit grand. Bah oui, en plus. Mais non, mais Lou, elle lit pas. Parce que Lou, elle lit pas. Ok. Ah, les dialogues dans ce jeu, c'est incroyable. Hein.
Ah, 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 ah. Voilà, les dialogues dans le jeu. Super. Bon, je vais aller me balader par là, là. J'ai pas changé ma tenue. Je vais cramer. Faut que je change ma tenue très vite. Vite, 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 vite. Ok, c'est pas ça. C'est ça. Hop. Ok, ça devrait aller mieux. Incroyable. Je dois aller où? Par là. Bon, bah, let's go explorer, hein. Ah, il y a une... Ok, très bien. Attendez, il y a une... Comment c'est déjà la caméra? La longue vue là. Ah voilà, c'est ça. Je cherchais le bouton. J'ai pas de balise de disponible. Comment ça, j'ai pas de balise de disponible? Bah je vais enlever celle-là déjà, je pense. Effacer la balise. Où est-ce que j'ai posé les balises sinon? Je ne sais pas. Là, il y a une balise. Alors. Ok. Coucou Shaihun, pardon. Shaihun, pardon, ne me. Ah, au secours. Shaihun. Shaihun. Je vais y arriver. Je vais y arriver. J'ai essayé de lire vite et je me suis ratée. Bonsoir, comment vas-tu? Attends, c'est moi où il y a un ver de terre de ses morts là-bas. Ouais, il y a un ver de terre de ses morts. Ça va, ça va. Je papillonne à nouveau sur Zelda. J'essaye de débloquer toutes les tours. Ah bah il y en a une là en plus. Il y en a une juste à côté. Parce que il me manque des souvenirs et j'ai aucune idée de comment les récupérer. Alors. Ah oui, d'accord. Ok. Comment je peux faire? Ah mais là-bas aussi, il y en a une. Attendez. Oui, elle, je l'ai, hein. Ok, il faut que... il faut... Mais non, mais je veux pas pousser le caillou, en fait, tu vois. Là, il y a une arme. Vous m'avez pas vu. Oh, les emmerdeurs. C'est bon. C'est moi la paix. On voit rien là aussi. Attendez, je vais faire comme ça. Est-ce où déjà les trucs qui font la lumière? J'en ai plein normalement. Il y a trop de trucs dans cet inventaire, hein. C'est pas possible. Hein. Où sont mes fleurs? Quel enfer. Non, moi je veux les petites, moi. Ah. On voit mieux. Ok. On dirait que je suis... on dirait un bâtiment.
Alors attendez. Oui, cette racine, je l'ai. Très bien. Moi, je veux aller en haut, en fait. Amphithéâtre ardent. Oh, je sens qu'il va y avoir un monstre là-haut. Sauf que comme je sais plus jouer, ça va être compliqué. On dirait Link, le perso que tu joues. Ah bon? On dirait Link? Pourquoi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Zelda à la place de Link? Ça arrive, en même temps le jeu s'appelle Zelda, c'est trompeur. Hein. Alors. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah. Ah. Ok. Alors je sens que ça pue si je vais en bas. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sens que ça pue très fort si je vais en bas. Hein. Je sais pas pour vous, mais... quel est ce truc rouge étrange au milieu, à votre avis? J'ai pas envie d'y aller. Moi, à la base, je veux aller... Je veux juste aller là-bas, genre. Il y a Stardew Valley sur la Switch, je savais même pas. Bon, moi, à la base, ouais, je veux juste aller là-bas, moi. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps que c'est pas le perso qu'on joue, Zelda. Bah oui, Zelda, c'est la fille, en fait. Zelda, c'est la fille. Est-ce que vous pensez... que je peux y arriver avant de finir dans la lave? Hey. Oui. Ok. Ok. En fait, parce que le but du jeu, c'est tout le temps de sauver Zelda. Du coup, le jeu s'appelle tout le temps Zelda. Sauf que le personnage principal, c'est jamais Zelda. Enfin, c'est rarement Zelda, plutôt. Alors, ça j'y ai. Très bien. Mais c'est pas la bonne racine. Ah oui, là, l'autre racine, elle est genre... loin. Je fais comment maintenant? Ah mais il y a un dragon là-bas aussi. Oh merde. J'avais pas vu. Vas-y, Link, tu peux le faire. Vas-y, escalade. Mais attends, docteur Eggman, parce qu'il est chauve. Je viens d'apprendre un de ces trucs-là. Eh, t'as vu? Y a pas forcément besoin de réfléchir pour nommer un méchant. Hein. Mais probablement, oui. Alors... il est où le dragon? Il est où? Ah! Ah, j'avais pas vu. Il y en a partout. C'est pas... alors... tiens, d'ailleurs, Roy, est-ce que à tout hasard... tu saurais m'aiguiller sur comment je peux trouver les derniers souvenirs, sachant que les derniers souvenirs ne sont pas...
Il fait giga chaud en fait. J'ai trouvé tous les glyphes, enfin tous les, tu sais, les machins quoi. Il est là le dragonnet, regardez. Ah mais là je peux totalement pas avancer, on est d'accord. Ah le dragonnet de feu. Qu'est-ce que tu veux, toi? Voilà. Oh. Ah, tu te calmes. Tu te calmes. Le dragouni. Voilà, par contre, comment je passe? Petit dragounet. Petit dragounet. Non, c'est pas ça que je veux. C'est ça que je veux. Parce qu'on voit rien là. On voit que dalle. Oui, il y a le dragon. Non, je suis pas assez proche pour avoir du vent. Dommage. Je suis assez proche pour avoir la musique, mais c'est tout. Hey. Allô. Y a quoi ici? Mon truc, il est parti où là? Je sais même pas où je vais. Hein. Après, il y a une racine là-haut, donc je vais vers la racine, quoi, mais... J'arrive pas à me rendre compte de la distance. Roy, il est parti. Il m'a pas répondu, il est plus là. Au fait, Roy, vous arrivez à avancer un peu l'épopée ou pas trop? Vous avez des nouvelles de Jenny? J'espère que ça va. Coucou Ni Maria, comment vas-tu? J'essaie de pas mal prononcer le pseudo. Je demandais si vous aviez des nouvelles de Jenny et tout, si ça allait et du coup si vous aviez pu avancer un peu l'épopée ou pas. Ok, bon, tant mieux alors. Tant mieux, tant mieux. Et oui, Roy, j'avais une question. Ah! Bah, je suis contente alors. J'avais une question par rapport au jeu. Si tu es bien sûr pas trop occupé. Tu vois, j'essaie de récupérer des souvenirs qui me manquent. C'est ouf. Tu vois là. Et j'essaie de voir. Est-ce que tu sais. Est-ce que tu pourrais me dire. Coucou Jenny. Pas de soucis. T'inquiète pas. Du moment que tu vas bien. Je voulais savoir si c'était lié aux quêtes secondaires du coup pour trouver les derniers souvenirs ou pas. Oh, c'est mignon, elle a fait 4K de dégâts avec Frina. Pardon. Non, mais c'est très bien, Lou, c'est très bien.
Ça va, ça va, ça va un peu mieux là. Et oui, du coup, Roy, est-ce que tu penses que c'est lié au... Est-ce que tu sais si c'est lié aux quêtes secondaires ou encore autre chose? Parce que du coup, je sais pas comment trouver les autres souvenirs sinon. Ou alors s'il faut... Parce que les deux seules quêtes principales que j'ai, c'est ça. Et oh, pour moi, c'est beaucoup, je suis super contente. Mais oui, je sais, Lou. Attends, parce que c'est moi qui respecte pas Lou. C'est Lou qui est tout le temps négative et qui critique toujours ce que je fais. Genre, je lance mon stream à l'heure que je veux et elle... Oui, t'es en retard! Non, mais bah super, super. C'est encore moi qui passe pour la méchante alors que c'est moi qui me fais bully. Génial, hein? Génial, hein? Super. Super la communauté, hein? Coucou Toto. Lou, c'est la première, elle arrive et fait « Oui, t'as pas fait ci, oui, t'as pas fait ça, oui, t'es en retard, oui, tu machin. » Mais c'est moi qui est méchante. Bah, génial, hein. Comme on dit, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, hein. Ouais, bah, super, hein, cringe, hein. Moi, je suis tout le temps gentille avec tout le monde, hein. Attends, il est... Faut que je le fasse à la main, Toto. Attends. Faut que je le fasse à la main, il est cassé. Voilà. Coucou Logan! Il n'y a pas la musique, hein, elle veut pas encore. Hein. Désolée, je ne sais pas pourquoi. C'est cassé, encore. Tout est cassé. Comment vas-tu, Logan? Va peut-être falloir arrêter, Manu. Arrêter d'être trop gentille. C'est ça? Faut que je devienne méchante. Mais regardez, je suis trop gentille et ils sont déjà en train de dire que je suis méchante. Je suis gentille et ils disent que je suis méchante. Moi, je fais quoi, moi? Je sais pas quoi faire, hein. Je suis gentille, on me dit que je suis méchante. Mais du coup, si je suis méchante, on va me dire que je suis méchante. C'est gentil, Lou. Merci. Est-ce que j'ai dit cri, j'ai méchant? Est-ce que ça vous arrive d'écouter ce que je dis? Je n'ai jamais dit cri, j'ai méchant, hein. N'importe quoi, hein. Bon alors. Est-ce que je peux me faire mon super appareil machin et tout là, attendez. Oh, je dois pouvoir, hein. Alors, je sais plus comment le piloter, par contre, ça va être ça le problème. Alors, comment on fait déjà? Comment je fais déjà? Non, c'est pas ça. Rétrospective. Duplicata. Ah, et voilà. Il est où mon super. Oh là là, quel enfer. Ah non, attends, là, je dois pouvoir voir les trucs enregistrés. Ah, voilà. Il est où mon engin de déplacement rapide? Oh non! Ça me l'a pas enregistré! Oh non! Comment je fais, du coup? Je me suis prêt... Oui, tu... oui, j'ai vu! Mais comment t'as fait ton coup? J'espère que ça va aller en tout cas. Je sais plus comment on fait le machin. Je sais plus comment faut faire. C'est pas genre... Non, c'est comme ça, je crois. Bon, c'est... Déjà, c'est de travers. Alors. Voilà.
Enfin, c'est comme ça, non? Non, c'est pas comme ça, je sais plus. Toujours un problème sur l'afficateur, c'est fini. Aucune idée, Toto. Aucune idée. Je ne sais pas du tout. Test, crash test numéro 1. Ok. Ça ne va pas dans le bon sens, très bien. Mais alors du coup... Qui c'est qui m'aggro? Qui c'est qui veut se battre? Quelqu'un qui veut se battre là, j'ai entendu là. Ouais. Attention, hein. J'ai entendu une musique un peu chelou là. Chaos toujours. Ouais, j'espère qu'il y a. Enfin, j'espère que ça va aller, quoi. Mais ça va mieux du coup, Logan, t'as. Enfin. Au niveau de la douleur, parce que si t'as trop mal, vraiment n'hésite pas à appeler le SAMU, ils vont pouvoir te peut-être te dire comment tu peux régler le problème. Alors attendez. Me dis dans l'autre sens, peut-être ça va fonctionner. Crash test numéro 2. Ok. Ça fonctionne, très bien. Mais alors du coup... Ça fonctionne, mais il me faut un peu plus d'énergie. Et j'ai cru voir. Voilà, très bien. Non, je voulais pas le mettre là. Je n'ai plus vraiment de douleur. Bon, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Après, du coup, bah, ce qu'il faudrait que tu essayes de faire. Si c'est pas. Est-ce que t'as. Genre, ta peau, elle est pelle ou c'est juste douloureux? Si ta peau est pelle pas, surtout, pense bien à mettre... comment on appelle ça? De la crème hydratante ou de la biafine, si t'en as même. Ok. Non, non, non! Non, 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 non. Tagoule, le truc. Alors, c'est parti. Donc, je veux aller par là, c'est ça? Oui, je veux aller par là. Ah, ça... Ok, bon... Non! Oh! Bordel. J'ai cru que ça en était fini. Ok, c'est trop lourd. Non mais... C'est trop lourd. Faut que j'enlève un truc. Je vais enlever ça. Allez là! Merci. Je voudrais bien pouvoir régler l'altitude aussi, mais je crois que j'ai un problème avec mon engin. Je n'arrive pas à aller de l'avant. Je pense que c'est parce que mes ventilateurs sont pas du tout dans le...
J'ai un problème technique, je n'ai pas. Mais en fait, j'arrive pas à voir le sens des ventilateurs là-dessus, je comprends pas. Comment on voit le sens des ventilateurs? C'est marqué où Je comprends pas. Où est le sens du ventilateur? J'ai mis de la biafine avec un bandage autour. Ouais, mais du coup, bah, il va falloir que tu le fasses pendant plusieurs jours, je pense. Alors. Bon là, je pense que ça va être pire, hein. Ouais, le truc qui se met pas droit en plus. Je sais plus comment je faisais, je me souviens plus là. Mais non, mais c'est encore enlevé. Bon là, ça va jamais avancer là. Je ne comprends pas. Bon, ça me saoule. Je vais y aller à pattes. Ah d'ailleurs, attendez, je voulais aller voir, il y a quoi dans le trou? Je vais aller voir ce qu'il y a dans le trou. Je vais me jeter dans le trou. Voilà. Puis on verra. Au pire, je sauvegarde avant. Là, il y a un trou là. Alors, sauvegarder. Je vais me jeter dans le trou. Du coup, Mali, tu peux me reposer ta question. Donc la question c'était, il me reste des souvenirs à trouver, voilà. Mais j'ai trouvé tous les dessins qu'il y avait dans la map, tu vois. Du coup, je te demandais, est-ce que tu sais si ces souvenirs peuvent se trouver soit via les deux quêtes principales que j'ai, soit via les quêtes secondaires? Parce que là, je sais pas du tout où chercher. Ou autre chose, hein, peut-être. Parce que je voudrais bien tous les souvenirs avant d'aller taper le boss. Et il m'en manque 4. Il me manque 4 souvenirs. La première, c'est autre chose. Oui, mais autre chose quoi? Quête annexe ou... Ah bah, il n'y a rien dans le trou. Bah, super. Ah bah génial. Je croyais qu'il y avait un truc et tout, il n'y a rien du tout. Arnaque! C'est une quête annexe ou une quête, une mission ou... Je voudrais bien réussir à me refaire mon engin volant là par contre, ça me... Ou alors je vais regarder un tuto. Je peux regarder un tuto. Un souvenir est lié à ta quête du château que tu as pas continué. Ok. Mais il y en a encore 3 après, du coup. Attendez, je vais regarder un tuto pour le truc volant là. Alors, Zeldo. Le problème FF14, c'est que sur Chaos. Apparemment, oui. Enfin, apparemment, c'est Europe. Un souvenir est lié à ta quête du château. Donc, oui, ça, ok. Salut à tous. Bon, montre-moi ta moto, là. Alors, comment il fait? Qu'est-ce qu'il fait?
Attendez, je regarde mon tuto. Désolé. Montre lequel tu manques. Ok, attends. Alors. Il me manque la 16, la 14, la 11 et la 1. Donc 11, 1, 16, 11, 1, 11, 14, 16. Je vais y arriver. 1, 11, 14, 16. Parce que sur le site de Faloup, il parle de arriver à... Oui, mais la mage, elle est censée se faire demain entre 8h et midi. Là, c'est autre chose, en fait. Là, c'est autre chose. Là, c'est une attaque des DOS qu'ils ont eue, apparemment. Donc, 1, 11. 11, c'est au château. Ok. Ouais, alors ça me dit pas dans quel sens. En fait, ça m'énerve sur le guide parce que il fait exactement ce que j'ai fait. Les autres, c'est lié à l'histoire, je crois. Donc en gros, je les aurais pas si j'avance pas l'histoire, dans tous les cas. Faut que je fasse le château et sinon, c'est l'histoire. Bah oui, je veux bien en vrai. Bon, attendez, je vais essayer de refaire mon véhicule parce que je voudrais bien avancer vite. Ok, alors. Alors. Il faut aller dans la forêt perdue, d'accord. Alors, attends, parce que je suis aussi en train d'essayer de faire le véhicule. Ok. Et ensuite, comment il met l'arrière? Est-ce qu'il doit faire la suite de cette noire et une autre? Ok. Je vais aller check la forêt perdue. Alors, je vais faire mon véhicule là et je vais aller check la forêt perdue. Alors, j'essaie de faire la moto là. Des travioles là ou pas? Ah, j'ai réussi! Let's go! Ouais, c'est que j'aurais peut-être pas assez d'énergie pour aller très loin, mais. Bon, ça tangue un peu, mais. Oh non! Attendez, parce que... Ouh là là! Ouh là là! Ouh là là! Aïe! Aïe! Ça fait mal. Je me suis prise ma moto dans le cul, comme on dit. Ok, c'est rechargé, c'est bon, j'y retourne. Je veux au moins aller jusqu'à la graine, s'il vous plaît. Oh, qu'est-ce qui... Oh, il y a un truc géant là-bas. Oh non.
Ouais. Alors, qu'est-ce qui me reste? Il me reste quoi? Oh là, je suis tellement pas rendue. Elle est où ma moto? Elle est là. Qu'est-ce que... Je vais aller par là-bas. Oh, il y a une tour là-bas. Je veux aller vers la tour. Non mais, c'est un peu dur à contrôler quand même, hein. Aïe! Ça pique! Des bombes, let's go, j'en ai plus beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ça? On aurait dit qu'il y avait un truc. Alors. Bon. C'est quoi la tour là? Je vais peut-être d'abord débloquer. Ah non! Bon, j'ai un peu raté mon décollage. Oui, il est possible que. Voilà. Ok, c'est reparti. On va avoir la graine. Let's go. On descend, on descend. Hey. Très bien, très bien, très bien l'atterrissage. Nickel, parfait. Ça fait 20 minutes que je m'amuse avec les mémoji iPhone et que je suis même plus live. Je crois que je suis folle. Bah super. Ça reste pas attentive et tout. Je plaisante évidemment. T'inquiète pas. Je vais aller voir ce qu'il y a à la tour là. Alors, elle était de quel côté déjà? Elle est là? Oui, elle est là. Attends. Non, elle est pas là. Elle est où? Elle est là. Ah, mais... Ok. Elle a pas voulu grimper en fait. Bon alors. Je veux descendre, s'il vous plaît, je veux descendre. Ok. Non mais il n'y a rien, c'est juste pour remonter à la surface, c'est ça? Bah on va tester. Où est-ce que ça nous emmène? Vas-y, nage, Link, nage. D'accord. Ah, ça fait un raccourci, quoi. Attends, mais c'est quoi ça? Je me souviens même pas de cette zone.
Je me souviens même pas de tes dawns. Bon, c'est pas grave. La forêt perdue. Je me dis que la forêt perdue, je pourrais y aller avec ma super moto de ouf là, non? Techniquement. Elle est où ma moto d'ailleurs? Elle est où ma moto? Elle est là-haut? Ma moto! Où es-tu? Elle est passée où? Elle était pas tombée avec moi normalement? On me dit pas qu'elle a disparu? Bah. Elle est où ma moto? Mais non, pas ça! Bah génial, plus ma moto. Super! Bon, alors la forêt perdue. Roy, la forêt perdue. C'est pas ça, hein. Pas la grande forêt d'Hyrule, si. Il me semble que j'avais déjà été, mais apparemment non. Est-ce que je peux y aller en volant? Je pense que je peux y aller en volant. Où il y a encore un truc comme sur Breath of the Wild en mode non, il faut que tu suives le brouillard et machin et tout. Bon, déjà, je vais changer d'équipement. Alors. Merci Aizumi! Mais merci beaucoup pour les 10 tiers. Merci. Qu'est-ce qui se passe d'un coup? alors oui, il y a ça techniquement, mais il y a une astuce. Il y a une astuce. Moi, je veux bien connaître l'astuce, vas-y. Vas-y, raconte-moi. Est-ce que je peux y aller avec mon cheval déjà? Il m'en restait 10. Je vais prendre Roy avec moi. On est à cheval. Il y a un trou pas loin et il faut aller par le sous-sol. Ah! Alors attends. Genre là? Genre je passe par là? Et je ressors genre par en dessous là? Pas de soucis, Azumi, merci d'être passé. Ah bah forcément, en plus c'est la zone que je n'ai pas encore. D'accord, je vois, je vois. Repose-toi bien, Azumi. Tu utilises le skill pour remonter à un endroit précis. Ok. D'accord. Je vois. Déjà, je vais essayer de me refaire ma moto pour avancer plus vite. Bon. Bah, y a... J'ai pas l'impression qu'il y ait de quoi refaire ma moto dans le coin. Du coup, je vais... C'est quoi déjà? Duplicata. C'est celui-là, hein. Ah, mais je sais pourquoi ça déconne, c'est parce qu'il y en a, il a un petit peu... Il a un petit peu de traviole. Mignon! Pourquoi j'ai fait ça? Je suis stupide. Faut que je sorte d'abord les matériaux, moi, c'est vrai. Genre ça là. Hop, voilà. Ok.
Voilà, c'est mieux. Et du coup... Ah! Lui, il a un peu de travers. Ça a l'air d'être moins de travers. Ok, alors. Alors, sur la map, c'est pas du tout dans cette direction. Du coup, c'est par là. Non, c'est même par là. Je pense, je vais essayer d'aller jusqu'à la forêt. Et après, vu qu'il est déjà 23 h, je pense que j'arrêterai là et puis je ferai la forêt la prochaine fois. Peut-être me diriger vers une graine quand même. Ah! Bah oui. Il faut pas que mon vaisseau il atterrisse dans la lave, là ça va pas le faire. J'ai pas assez d'endurance. Je veux pas qu'il atterrisse dans la lave. Attends, on va se poser genre par là là. Attends. Elle est où? Elle est passée où? Pourquoi elle a disparu, ma moto encore là? J'en ai marre. Pourquoi elle disparaît? Non, je veux pas prendre celle-là. J'ai un pote qui essaie de me forcer à jouer jusqu'à 6 h du matin en Vogue. Je crois qu'il a oublié que c'est moi qui parle. Je m'endors à 22 h. Oui, c'est... Oui. Ma moto là, j'en ai marre moi, elle disparaît et tout. Là là, quel enfer. Attends, c'est un golem de feu là-bas, non? Bon, j'aime bien, je fais un peu le touriste avec l'appareil photo et tout. Non, non, mais j'ai pas envie de me battre. Non, non, mais j'ai pas. Non, non. Non, merci. Non, merci. J'ai dit non, merci. Voilà. J'ai autre chose à faire. Oui, ça s'appelle un golem, Lou. C'est un golem de feu et il est pas gentil. Et voilà. Ok, alors. Il faut que... je suis pas du tout... La forêt, elle est là, on est d'accord. Faut que j'aille par là. Attends, je vais changer... je suis pas du tout au bon endroit. Mais ça va pas, non? Laisse-moi tranquille! C'est bon, il m'a lâché. Non mais oh. Il y a vraiment des pots de colle, hein.
Alors, est-ce que je peux refaire ma moto ici? Oui. Bon, bah, je recommence du coup. Alors, c'est duplicata. Du coup, je fais ça. Ok. Et comme je voudrais bien un petit peu de d'énergie en plus. Ah mais oui, mais si je le mets là, je peux pas me. Ok. Alors, c'est dans quelle direction? Ça a l'air d'être par là. Genre par là-bas, là. Oh! Ok. Ça a l'air d'être par là, hein. Je sens que je vais encore perdre ma moto, je ne sais pour quelle raison. En fait, faut pas que je vole trop haut parce que si je tombe, je vais encore perdre mon truc. Oh, attendez, il y a un. Ok, je vais peut-être récupérer une. Je vois pour récupérer une. Une batterie là, genre. Pourquoi j'ai failli me le. Non mais tu te calmes, tu te calmes. Qu'est-ce qu'on a ici? On voit rien déjà. Ah! Voilà, je vais pouvoir remettre une autre batterie, très bien. Je vous laisse, je commence à fatiguer. Bonne nuit. Pas de soucis, Shayon, merci beaucoup d'être passé. Repose-toi bien. Alors attendez, parce que déjà là ça a l'air d'être fermé. Donc c'est un peu chiant. Va falloir que je passe par là. N'oublie pas de t'hydrater. Pourquoi je vois plus la graine de tout à l'heure? Ah si, elle est là-bas, ok. Ah mais il y en a plein! Il y a plein de graines là. Ah mais il y a le. Bah c'est là, je pense qu'il faut que j'aille du coup. Ok. Sylve Korogu. La question c'est est-ce que je vais y arriver? Je vais peut-être aller par là d'abord. Ça va être un peu juste là, non? Ça va être un peu juste là. Je veux pas mourir. Je veux garder ma moto. Attendez. Ah, c'est bon. Ok, c'est bon. Ok, is ok. On va juste jouer ensemble jusqu'à 2h max et après il va jouer seul jusqu'à 6h et moi je dormirai d'ici là. T'es sûr qu'à 2h tu dormiras pas déjà? Ok. Du coup c'est bien par là, Roy, je pense qu'il faut que je passe. Probablement. Mais en fait c'est trop bizarre, en gros j'ai. En gros. Attends, elle est où ma moto encore? Ah non, elle me dit pas qu'elle a encore disparu! Ma moto!
J'en ai marre. Elle a encore disparu. Bon après, si je peux y aller à pied, c'est pas trop grave, mais... Oh là là, il se passe des trucs chelous ici. Est-ce qu'il n'y a pas un truc chelou qui va nous pop sur la figure à un moment donné? Ah mais il y a une graine juste à côté, en plus j'avais pas vu. J'appelle ça une graine parce que ça me fait penser à une graine. C'est une racine, c'est pas une graine. Mais bon, les racines sortent des graines. Enfin, pas tout à fait, mais je veux dire, voilà quoi. Enfin, si, techniquement, si. D'accord. Et du coup, là... Un petit linel? Non, merci. Je veux pas... non, je veux pas. Je veux pas un petit linel. Pas du tout, même. Oui, il y a des haricots, là. Il y a des haricots. Du coup, en fait, il y a une forêt Korogu sous la forêt Korogu, c'est ça? Et on va faire coucou! C'est moi! Je viens de pousser! Forêt Korogu. Merci Roy pour l'astuce. Oh là là. Oh, il a l'air mal au point. Arbre Mojo. Et hop, Mali sort du... Bah super. Oui, bah j'ai vu qu'il y avait un sanctuaire, la tablette, merci. Oh là, ils sont tout cassés là. C'est le décès là. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ils sont tous hypnotisés. Tu vois ce socle, devine ce qui est à... Bah oui, je savais, je sais ce qu'il y avait là-bas. J'ai joué à Breath of the Wild, hein, Roy. T'inquiète pas, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, il y a la statue, tiens. Mais oui, j'ai joué au premier, du coup, je me souviens. Toi qui as surmonté les épreuves, ok. Je pense que je vais prendre un cœur en plus. Parce qu'en vrai, pour l'instant, l'endurance, ça va. Ah, mais j'ai une tête d'insecte avec mon casque, là. Peut-être enlever mon casque, hein, quand même. On va prendre un autre cœur, hein. Jamais assez de cœur, en vrai. Moi, je fais partie des personnes qui savent pas trop esquiver. Du coup, les cœurs, c'est la vie, quoi. Littéralement. Littéralement. Ok. Merci, madame. Enfin, je suis même pas sûre que ce soit une madame, mais... alors. Alors. Pourquoi il y a un lit? C'est le lit de qui, ça? Genre les Korogus, ils dorment dans des lits?
Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors. Ok. Moi, je fais partie des personnes qui tentent le beau jeu. Et c'est les statues de la déesse, donc il y a des déesses de chance. Oui. Alors attendez, je suis pas sûre encore d'aller dans le trou. C'est moi le temps de réfléchir et de visiter un peu avant. Mes entrailles! Oui, donc il va falloir que j'aille dans le trou. Ouf. Déjà, je vais m'occuper de ça. Ça me fera un TP déjà. Pour revenir s'il y a un problème. Alors, suspension. Donc c'est pas un truc avec ok. C'est pas ça que je voulais. Ça. Allez là! Merci Lou! Ne baille pas, j'ai dit quoi? Mais j'ai pas baillé! Qu'est-ce que tu racontes? Quoi? C'était pas ça, ok, c'était pas ça. C'était pas ça. Du coup, si c'était pas ça, c'était quoi? Ah mais non! Je pense qu'il faut que j'attache ça. Vas-y là. Ah voilà. Plus haut! Pourquoi j'arrive pas à monter plus haut? Bon, c'est pas grave, je fais autrement. Oh, il faut que je regrimpe en plus là. En tout cas, merci beaucoup. Non, j'ai pas baillé. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Du coup, là, je vais reprendre ce cube-là. Incroyable. Désolée Roy, j'avais pas vu ton message. Alors, Ok, il y a un coffre aussi. Il y a ça. Il y a ça. Bon déjà, je suppose que le cube, il faut que je le fixe encore au truc. Probablement.
Pardon, je voulais juste regarder ce que ça faisait. Moi, je veux récupérer le coffre. Comment je peux faire pour récupérer le coffre? Parce que du coup, bon, ça, j'ai plus ou moins compris. Je pense. Quoique. Je disais en vocal, voilà, Mali, c'est comme ça. Pas de soucis. Mais attends, il manque qui dans tes bras, non? Il manque quelqu'un? Ah bon? Je sais pas, moi. Qu'est-ce que je peux faire avec ce machin? Parce que c'est pas comme si je pouvais le fixer là. Je peux pas vraiment le fixer d'ailleurs. Je peux le fixer là. Bah. Ah, je sais pas comment ça tient. Hein. Je sais pas comment ça tient, mais ça tient. Mais je pense pas que ce soit ça la bonne réponse. Ah, bon bah il est tombé. Tant pis. Attendez, je vais me faire un chemin. Pour aller au coffre. Mais si, j'en suis sûre, il n'y avait pas une girafe dans tes... Une girafe? Aucune idée, je sais pas de quoi tu parles. Ah mais c'est vrai qu'en plus je peux pas grimper... Oh là là. Voilà. Moi j'ai jamais été fan des girafes, hein. Je sais pas ce que tu racontes. Hein. Bon bah au moins j'ai le coffre, voilà. Un crocodile? Non plus. Je sais pas de quoi tu parles. Aucune idée, hein. Alors, ensuite. Est-ce que je suis pas juste trop intelligente? Voilà. ça va, je plaisante. Moi et Henri Pie, on n'oubliera pas. Henri Pie, bah il est là, Henri Pie, mais il fait chaud, du coup il était sur le balcon avec Rina et Riku. C'est bon, il est là, hein? Coucou Shuriken, pas sûr que tu aimes la réponse. Comment vas-tu? Écoutez, je peux pas forcément me vanter de beaucoup de choses, donc laissez-moi me vanter un peu quand j'arrive à faire un truc dans un jeu. Ça va, ça va. Enfin bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien de grave, j'espère. Je suis dans un état de mort mentale, mentalement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon détecteur il capte un truc là? Bon, de toute façon, il faut que j'aille dans ses entrailles, on est d'accord. Après, t'es pas obligé d'en parler si tu veux pas, hein. Je force pas, attention. Hein. Bon, bah, go dans les entrailles, let's go.
Est-ce que... Non, j'ai à manger, en vrai, ça devrait le faire. 4 jours de jus... Ah oui! Bon, ça va, c'est pas un truc genre Ah grave, tu tiens, vois ce que je veux dire? coucou Lou la plus belle du monde, comment ça va? Quand est-ce qu'on se refait un spa sans que Mali ne le sache? Bah bien sûr. Tout à fait, Lou, tout à fait. Alors attendez, parce que... Ouais, ses entrailles, c'est pas la grande forme, hein. Effectivement. C'est pas la grande forme. Ah non, mais ça, on est d'accord. Non, mais en fait, enfin, genre, juste les transports en commun à Paris, c'est de la merde. Façon. Ah, désolé, je dis les termes, hein, mais c'est. C'est de la merde. Alors. Oh merde! Oh merde! Poste! Comment on les défonce ces trucs déjà? C'est pas genre avec les yeux, je sais pas quoi là. J'étais pas prête moi. J'aurais peut-être dû rester en haut en fait. Attendez, je vais rester en haut. Est-ce que je peux les taper d'en haut? Ouais, je vais faire ça, ouais. Je vais recommencer. Flèche bombe? Ouais, mais j'ai pas beaucoup de bombes. Du coup, je vais rester sur la part... Il y avait une petite... genre, une petite terrasse en haut, là. Je sais pas comment ça fait. Non, c'est pas là que je voulais aller. Je voulais aller là. Là, là. Oui, voilà. Ou flèche fruit flashant. Pour les stuns, oui, mais pour les taper. Ok, je vais recommencer. Tout va bien se passer. Et après, je coupe le stream. Je sais que j'ai déjà dit que j'allais couper le stream après être arrivé dans la forêt. Je m'en souviens. Je sais. Je sais que je l'ai dit. J'assume l'avoir dit. Mais... la curiosité. Voilà. La curiosité, vous connaissez. Voilà, donc tout vient se passer. Ok, c'est parti. À chute libre! Wouhou! Putain, les entrailles, par contre, vraiment, genre. Ok, Ah oui, c'est là. Là, je peux aller, mais le problème, c'est que... Le problème, c'est que... Est-ce que peut-être je suis safe si je reste à côté des haricots? Bah génial! Aïe! Super, j'ai pas eu le temps de tirer. Ah, je suis pas safe du tout. Ok. Ça pue du coup. Mais j'ai pas le temps! J'ai pas le temps. Il me laisse pas le temps. Mais regardez que j'ai même pas le temps de viser ou quoi. Il m'emmerde, hein.
Oui, merci Lou. Merci beaucoup. Je pense que je m'en serais jamais rendu compte si tu me l'aurais, si tu me l'avais pas dit. Vraiment, merci pour ton aide, hein. J'apprécie énormément. Ouais. Bon, déjà, je vais manger un truc. Non, mais genre, redonne-moi des cœurs, en fait. Bah, super. Alors, je vais recommencer. Est-ce que Roy, je peux demander une info? Est-ce qu'il y a moyen de nettoyer cette bave rouge là? On peut ou pas? Je sais plus s'il y a un truc pour. Je pense pas, hein. Bon. Que je peux pas vraiment me poser. Y a pas vraiment d'endroit où je peux me poser parce que je pourrais pas attaquer depuis ici en fait. Normalement, il y a une plateforme d'où tu peux tirer dessus. Bah ouais, mais en fait, le problème c'est que la plateforme en question, bah, je vais perdre mes cœurs. C'est ça le problème. Il y a pas d'autre plateforme là. Et il y a de la bave partout. Il y a de la bave partout, du coup je vais. Ça va me bloquer mes cœurs. Bon après j'ai de la bouffe, tu me diras, mais regarde, j'ai pas beaucoup de bombes. J'ai l'impression que ça les touche pas du tout, hein. J'ai. Ah, quoique si, ça les touche. Ok, ça les touche, j'ai rien dit. Plus bas, il y a une autre plateforme? Je vois pas. J'ai pas vu d'autre plateforme tout à l'heure. Je vois pas d'autre plateforme, hein. Il y en a encore plein là. Allez, mourir là. Ah bah super mon arc. Qu'est-ce qui se passe? Coucou à Link, bienvenue, comment vas-tu? Attends, tout va bien. Qu'est-ce que... Ah mais il y en a encore plein là en plus, quel enfer. Et coucou Ayana, comment allez-vous? Merci pour le raid, mes alertes elles sont cassées, je suis désolée. Du coup j'ai pas tout vu. Comment allez-vous? Comment s'est passé votre stream? Raid de bouteille d'eau parce qu'il faut boire. Oui, je veux m'hydrater, oui. Vous avez fait quoi de beau du coup? J'ai pas beaucoup de bombes hein, par contre. Est-ce que si je lui balance ça, ça fait pas des dégâts, je pense. Hein.
Je suis en train de décéder, tout va bien. Tout va bien. On était sur Coinstar Rail. Ah, faudrait que j'y joue un jour. Je suis allée chez mon avocat. Comment ça? J'espère qu'il s'est rien passé de grave. C'est bon, ils sont morts? Ah! Alors, c'est pas cool ça, par contre, parce que j'ai plus de vie. Oh merde! Aïe! Bah oui, mais j'ai plus de vie, tu triches un peu là! Bah génial! Attendez, voilà, j'ai pas envie de. Vous voyez? Aïe! Bah oui, mais j'ai plus de vie en fait! Aïe! Il n'est pas très gentil! Je sais pas esquiver, je vous ai dit que je savais pas esquiver! Ah bah je vais mourir. Oh j'ai réussi! J'ai plus de vie mais j'ai réussi! Ah mon dieu. Je suis incroyable parfois. Je plaisante évidemment. C'est pour la blague. C'est pour la blague. Merci. Bah, du coup, il aura un peu moins de brûlure d'estomac, je pense. Enfin, j'espère, hein. Merci, Roy. J'ai des problèmes avec mes voisins, ils font des troubles anormaux du voisinage. Ah oui, je comprends, ouais. Alors, je t'avoue que j'ai pas... Enfin, comment dire? Après, ça fait quelques semaines que j'ai les deux voisins qui font des travaux et des trous dans les murs tout le temps. Ça commence à me saouler. Mais bon, je peux pas dire grand-chose parce qu'ils respectent les heures. En tout cas, je te souhaite bon courage. J'espère que ça va pouvoir se régler rapidement. Le vénérable arbre Mojo t'attend dans la forêt Kurogu. Dans son deck. Et vous me ramenez du coup, comment ça se passe? Parce que là, je meurs. Non, il me ramène pas. Bon, bah, j'y retourne toute seule, hein. Alors, attends. Oui, Lou, pardon, ton message. Pardon. Bon, les enfants, je dois déjà partir, moi. Bon live et bonne soirée. Oublie pas, Mali, je t'aime, hein, mais bois. Oui, merci, Lou, c'est gentil. Merci, repose-toi bien, amuse-toi bien, dodo bien, hydrate-toi bien, tout ça, tout ça. Merci d'être passé, Lou. J'ai mal. J'ai très mal. Du coup, faudrait que je me refasse à manger. Je vais aller... Attendez, je vais aller me cuisiner un truc, là. J'ai vu qu'il y avait un truc pour cuisiner, là. Oh, mais c'est... Ah, mais moi, je voulais pas acheter. Moi, je voulais, genre... Bon, ça peut servir, tu vois. Genre, je viens de sauver l'arbre Mojo. Genre, il n'y a pas moyen de... Non? Bon, attendez, je me fais à manger parce que là c'est un peu la PLS. Qu'est-ce que je peux me faire à manger? Comment on voit déjà les recettes? Comment je peux voir les recettes? Est-ce que j'ai des trucs qui régènent beaucoup là, dans le tas là? Oui, j'ai de la viande, très bien. Alors, j'ai pas de recette avec ça? Ah, dommage. Est-ce que j'ai une recette avec ça? Choisir une recette.
Enduro, blabla, boulettes de viande, 5, 5. Bah si c'est 5, on va prendre ça, hein. Ah mais en plus il t'insulte! Bah super. Quoi, comment ça, plat douteux, mais j'ai pris une recette? Genre, c'était une... Ah mais j'avais pas fait gaffe. Oh, j'avais pas fait gaffe. Non mais c'est moi. Attends, pourquoi il me prend pas... Mais non mais... Mais non mais... Attendez, j'ai pas capté. Je croyais qu'il suffisait d'appuyer sur recette pour que ça fonctionne. Choisir une recette. Ah non, ça... ah oui, vous n'avez pas assez de matériaux. Pardon, j'avais pas capté... Que j'avais pas assez de matériaux. J'ai pas un truc qui donne plus de cœur là? Bon, je vais faire. Non, j'ai pas assez non plus. Bon, et eh ben, je vais faire ça. Voilà. J'avais juste pas fait attention à ce qui était écrit. Parce que je suis bête. Je peux pas, genre, jeter ça? Madame et Doudou, vous êtes une bonne cuisinière. Alors, oui. Mais en jeu, c'est différent. En jeu, c'est différent. C'est juste que là, j'ai pas lu, en fait. Alors, il faut savoir que moi, quand je cuisine, je regarde pas de recettes, hein. Je cuisine très rarement avec des recettes. Je pense que je peux faire un truc avec ça. 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 Et genre ça. Ok, j'ai pas 15 cœurs. Si tu as tomate, blé, fromage. Alors attends. Tomate, blé, fromage. Et deux viandes. Ah mais j'ai plus de viande, je crois. J'ai du poisson, par contre. Je vais mettre des champignons, c'est pas grave. Ah, let's go! Non, mais là, je viens de faire des bons plats, là. Il a l'air bien, le jeu, ça. Franchement, c'est sympa. Après, il faut savoir que quand tu joues à Breath of the Wild ou à Tears of the Kingdom, tu vas probablement beaucoup, beaucoup, beaucoup papillonner. Beaucoup, beaucoup. Très beaucoup. Voilà, c'est... Mais voilà. Mais après, il est... non, franchement, ils sont sympas, moi, je trouve, les jeux. D'ailleurs, je... Alors, j'ai beaucoup aimé Breath of the Wild, mais je trouve que Tears of Kingdom, ils ont rajouté beaucoup de trucs qui sont sympas. Disons que si vous cherchez du contenu sur un jeu de ce genre, Tears of Kingdom, vous avez vraiment pas mal de contenu, mine de rien. Je vais sacrifier... Alors, je vais manger ça. Ah bah apparemment il s'est régalé avec le plat douteux. Écoutez, je ne me pose plus de questions. Ok, on va aller voir l'arbre mojo. Je voulais juste au cas où reprendre un peu de vie. Parce que voilà. Oui bah t'es sur chemin toi. Ah oui attendez. Je vais remettre mon armure un peu de héros avant de parler à l'arbre mojo parce que sinon ça fait bizarre. Voilà, c'est bon comme ça. Genre en mode Assassin's Creed. Parlez. Oh, c'est toi. Pardonne-moi, j'ai la sensation de me vider d'un mauvais rêve. Tu m'as libéré de l'influence néfaste qui m'habitait. Je te remercie de ta sollicitude. Je suis de nouveau moi-même. Le temps a passé depuis notre dernière rencontre. Comment te portes-tu? La dernière fois que je t'ai vu, tu venais chercher l'épée de légende aux côtés de la princesse. Petit souvenir, du coup. そして、マスターソードの主、マスターソードの主、
Link. Pardon. Ah bah super. Batterie faible. Vous avez des couteaux japonais du coup? Pas du tout. Pas du tout. On n'en a pas. Bah en fait c'est surtout que je pense qu'on n'a pas ce qu'il faut et on n'a pas la patience d'en prendre soin correctement. Du coup, je préfère pas investir tant que je suis pas sûre de pouvoir en prendre soin comme il faut. Parce que mine de rien, un bon couteau de cuisine, il faut bien s'en occuper. Voilà. Ah ouais. Comment il se la pète avec son nez? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu klaxonnes à cette heure-là, là? Oh là là. Pardon, les gens dehors, vraiment. Ton avenir est encore sombre et incertain, mais au moins, tu as l'épée de légende entre tes mains. Ton épée, il en émane une puissance sacrée encore plus grande qu'auparavant, que c'était passé. Ah oui, ça explique. Non, en fait, moi, quand je cuisine, je fais des... Je rattrape... En fait, comment dire? Je me sers de ce qui est à disposition pour cuisiner. Mais après, quand je dis cuisiner, c'est souvent, genre, je vais cuisiner des restes. Par exemple, alors peut-être quand tu vas me prendre pour une hérétique, hein. j'accepte. La dernière fois, il restait un fond de ratatouille en conserve. C'est de la ratatouille en conserve, hein. C'était pas de la ratatouille faite main, hein. C'est... voilà. Il restait du coup une part de ratatouille conserve. Il restait... du coup, j'ai pris ça. J'ai cuit des pâtes. J'ai cuit un steak que j'ai émietté en petits morceaux, en bouchées. Avec des champignons, j'ai mis un peu d'ail en poudre, j'ai mélangé du coup avec la ratatouille et avec les pâtes, et ça faisait des espèces de pâtes un peu, je dis bien un peu façon bolo, mais c'était de la ratatouille. Et en vrai, c'était trop bon. En vrai, c'était trop trop bon. Voilà, c'est tout. Et moi, je fais ce genre de choses. Parce que j'ai la flemme. J'ai la flemme en fait, enfin, en gros, c'est juste ma façon de manger les restes. Je retravaille les restes pour que ce soit un peu plus appétissant. Ça fait une sorte de bolo, je connais. Oui, voilà, c'est ça. Et en vrai, je vous jure, hein, quand vous n'avez pas trop le temps de cuisiner, vous prenez une petite conserve de ratatouille ou de légumes, aubergines et tout, avec des pâtes, ça fait le taf, hein. Et après, oui, vous pouvez rajouter des trucs, mais franchement, ça fait le taf et c'est pas mauvais, hein. Après, bon, le mieux, c'est de manger sans les pâtes aussi, mais... C'est un peu triste, quoi. quoi qu'il en soit, tu ne dois pas te reposer uniquement sur sa puissance. Prépare-toi du mieux possible. Je serai toujours ici. N'hésite pas à revenir me voir si tu as besoin de moi. Mais alors, pourquoi j'aurais besoin de toi? Nouvel objectif. Alors, attendez. C'est quoi un nouvel objectif? Ah voilà, j'avais pas attendu. La lame... Ah non, mais c'est terminé. Ok. L'arbre mojo est ajouté au guide des personnages. Wow, l'illustration, elle est classe. Attendez, est-ce que du coup, si je vais tout en haut, il y a un truc, vous pensez? Une entrée est ajoutée à la section souvenirs. Ah voilà. Ok. Ah, j'ai le souvenir numéro 1. Ok. Oui, tu l'as eu avant de lui parler. De quoi? J'ai pas compris. L'illustration, tu veux dire? Attends, moi, je veux aller voir ce qu'il y a au-dessus. Ah, la Master Sword. Oui. Ah bah oui. Parce que oui, j'aurais dû aller le voir avant de la récupérer. Probablement, oui, c'est ça. Ok, j'avais pas compris.
Attendez, je vais aller tout en haut, je suis sûre, il y a des trucs à récupérer. C'est obligé. Il y a forcément un truc à récupérer. Un bon couteau et une planche en bois, c'est la base pour cuisiner. Exactement. On a des bons couteaux, mais c'est pas des bons couteaux. C'est pas des vrais bons couteaux de cuisine. Mais on a quand même des couteaux qui coupent bien. Bah, surtout que moi, j'ai pas forcément beaucoup de force, du coup. Du coup, c'est un peu compliqué. Je suis déjà en haut, c'est bien. Hop. Il y a un truc là. Il y a un gland. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que je les ai bien cachés? Je suis pas sûre. Oh, c'est toi. Je voudrais jouer à la chasse au trésor avec mes copains. Alors, j'en ai caché un peu partout sur le vénérable arbre Mojo. Je voudrais que quelqu'un fasse un essai. Mais si je demande au Korogu de la forêt, ils connaîtront la solution. Je ne trouve personne à qui demander. Tu m'ôtes une épine du pied. Les deux premiers trésors que tu vas devoir chercher sont une épée des sylvains et une lance des sylvains. D'accord. Je les ai cachés plus haut que le visage du vénérable arbre Mojo. Oh là là. Moi, je croyais qu'il y avait un trésor et tout. Des rubis et tout. Non. Normalement, c'est lui qui te dirige vers elle. Attends. Ah, ok, c'est lui qui me donne les indices. Ouais, j'ai fait le jeu à l'envers, quoi. Bon. Bah voilà. J'ai trouvé l'épée. Maintenant, la question, c'est où est le bouclier? Ah! Mais non, mais arrête de tomber, Link! Ah, mais quelle empotée, vraiment! Les couteaux allemands, ça reste un bon compromis. Mais je crois que c'est ça qu'on a, mais je suis pas sûre. Je vais aller voir, il y a peut-être un truc là-bas, non? On peut pas vous faire boire. Ah! Bah pourtant, on m'a fait boire il y a pas longtemps. Il oh, y a rien là. Pourquoi ça fait bip bip? Bon, il est où le bouclier par contre? Ouais, bouclier. Parce que là, il y a un gland. C'est pas ça. Oui, mais le sanctuaire. Ou alors c'est qu'il y a un deuxième sanctuaire. Ou alors c'est qu'il y a un autre sanctuaire ici. Voilà, il y a le brouillard là. Bon, je suis censée couper le stream. Du coup, je vais couper le stream. Voilà. Je vais sauvegarder. Voilà. Parce que sinon, Roy, il va m'engueuler, là.
Désolée. Désolée, désolée. Mais bon, je veux pas streamer trop tard parce que en plus demain j'ai un rendez-vous chez le médecin. Du coup, faut que je me lève. Et demain après-midi, je stream. Alors d'ailleurs, je préviens, il est fort possible, il n'est pas impossible. En fait, ça va dépendre du médecin. Normalement, ça devrait le faire. Attendez, je vérifie. Je vérifie à quelle heure j'ai rendez-vous. J'ai rendez-vous à 10 h. Enfin, à 11 h. J'ai rendez-vous à 11 h. D'accord? Et normalement, je stream à 14 h. Donc, si tout se passe bien, je ne devrais pas être en retard. Mais si jamais je suis en retard, vous inquiétez pas, c'est probablement à cause du médecin. Voilà. Mais c'est à cette heure-ci que tu coupes le stream. Bah oui. De quoi? Mais non! Mais non, Hayana! Oh là là! Le docteur! Tu sais, le docteur! Le docteur qui pratique la médecine! N'importe quoi, hein? N'importe quoi! Je vais voir le docteur! Bref. Ouais. Mais du coup, oui. Donc, demain, stream à 14 h. Demain, ce sera du Sky. Et pour les joueurs de Sky, il y aura un giveaway. Je vais faire gagner un pass pour la nouvelle saison des duos. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à être présent, si vous le pouvez. Ou vous pouvez au moins venir vous inscrire pour le giveaway. Voilà. Voilà. Et puis c'est tout. Et je n'ai pas commencé la saison d'ailleurs. Je n'ai pas encore commencé parce qu'elle commence aujourd'hui la saison. J'ai juste été récupérer les bougies des 4 journaux. Comme ça, demain, je pourrais découvrir la saison avec tout le monde en stream. Et elle a l'air assez sympathique. Voilà. Donc, on se retrouve demain à 14 h. Merci à tous d'être passés. Merci pour les raids. Merci pour les follow. Merci pour les resubs. Merci pour les tears. Merci pour l'hydratation. Dormez bien, hydratez-vous bien, des bisous et à demain. Au revoir. Au revoir.